Alors, nous allons commencer avec le contexte yverdonnois. Alors, nous remontons de quelques années, nous sommes en 2008. À Yverdon, à ce moment-là, les bibliothèques utilisent OPSIS version 8.21. Je vous dis les bibliothèques parce que nous sommes deux bibliothèques à être sur le même réseau, la bibliothèque publique et la bibliothèque de la Brooklyn. La bibliothèque publique, si vous voulez, est une bibliothèque pour les jeunes et les adultes. La Brooklyn, c'est une bibliothèque enfantine et c'est également une association et qui travaille avec des bénévoles pour le prêt. Il y a également deux postes professionnels. Nous avons des fonctionnements assez différents. La Brooklyn étant fermée pendant les vacances scolaires, nous avons des taxes de retard différentes, des conditions de prêt différentes. Pour les deux bibliothèques, en tout, 11 postes de travail, dont 4 postes pour le prêt, et il faut ajouter aussi 3 postes pour les OPAC. 2008, quelques chiffres pour vous donner une idée de la masse à migrer, c'était plus près de 70 000 notices et puis 4 700 lecteurs actifs. Voilà le contexte yverdonnois. Pour le contexte neuchâtelois, voilà donc. L'hôpital neuchâtelois s'est constitué en 2006 de la fusion de tous les établissements de santé du canton de Neuchâtel. Donc, avant ça, il y avait deux centres de documentation, un à La Chaux-de-Fonds, un à Neuchâtel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a toujours ces sites. Mais maintenant, les deux centres de documentation doivent répondre à l'ensemble des sites de l'hôpital neuchâtelois. Donc, on travaille pour 2463 collaborateurs. Une bonne partie de ces collaborateurs travaillent dans le médical, dans les soins et dans le paramédical. Et c'est là vraiment le noyau dur de nos utilisateurs. C'est-à-dire que tous les jours, ils nous sollicitent. Tous les jours, on reçoit à peu près, qu'est-ce qu'on va dire entre 30 et 40 demandes quotidiennes. Le centre de documentation, donc comme je vous l'ai dit, on est deux documentalistes, mais pour 1,2 équivalent plein temps. Donc ça ne fait pas beaucoup, mais on est épaulé par des civilistes depuis quelques années maintenant de façon systématique, parce que sinon on n'arriverait pas à suivre. Notre fonds, c'est principalement des périodiques électroniques médicales, soignants et paramédicales. Donc on peut dire qu'on a à peu près un fonds à 95% électronique. On a quand même des monographies qui sont réparties et dispersées sur les 7 sites dans les services. On a également aussi une base de données, enfin une dizaine de bases de données à disposition. Est-ce que ça vous ennuie s'il reste assis? Pourquoi PNB? Donc, vous avez des contrats. Nous voulions un logiciel qui soit facile d'utilisation. Tout simplement, je vous parlais tout à l'heure du contexte de la Brooklyn, qui travaille avec des bénévoles. Certaines de ces bénévoles viennent une fois par semaine pour le prêt. Donc, il fallait vraiment qu'elles puissent avoir un logiciel simple. Il fallait que ce soit un logiciel qui permette aux deux bibliothèques de fonctionner selon leurs différentes règles. On voyait un atout à PNB dans le fait qu'il n'y avait pas de licence d'exploitation par poste. C'est vrai qu'avant, avec OPSIS, nous avions un certain nombre de licences et puis nous rencontrions parfois des problèmes. Une collègue devait fermer sa session pour permettre à une autre de travailler. Donc là, nous n'aurions plus eu ce genre de... ...et de nouvelles options. Donc déjà, l'OPAC, vous le verrez ensuite, est simple d'utilisation. Le lecteur a toujours la possibilité de se connecter à un compte lecteur et là de voir ses prêts en cours, par exemple, de faire ses propres prolongations, de faire des propositions d'achat. Il peut également recevoir tous les mois des listes de nouveautés suivant ses centres d'intérêt. Donc pour moi, PNB, c'était un logiciel vraiment tourné vers le public et c'était un point très important.
côté un petit peu plus technique, il fallait que ce logiciel respecte la norme Unimark. Et puis, c'est vrai qu'actuellement, nous n'utilisons pas la technologie RFID, nous n'importons pas, nous n'exportons pas de notices, mais surtout, nous ne souhaitions pas nous fermer des portes. Nous voulions garder ces possibilités pour l'avenir. Donc, c'est vrai que 4 ans plus tard, on ne les utilise toujours pas. Un point aussi important, c'était que PMB proposait l'hébergement des données. On pouvait soit héberger nos données chez PMB ou alors en local, comme c'était le cas jusqu'à présent. Et nous avons vu de nombreux avantages en fait à cet hébergement chez PMB. Par exemple, nous n'avions plus du tout de problème de sauvegarde, de traitement. Et puis, surtout aussi par rapport aux installations, pas d'installation locale. Par rapport aux serveurs de la commune, on n'avait pas des données importantes qui occuperaient les serveurs de la commune. Et puis surtout, il y avait toujours la possibilité offerte de revenir en arrière si ce système d'hébergement ne nous convenait pas. Et puis, je serai franche, le dernier point, c'était une contrainte. Le coût, en toute transparence, Monsieur Robert est là aujourd'hui, voilà. Voilà. Transparence. En 2008, au départ, nous n'avions pas choisi PMD. C'est vrai que les logiciels libres, un petit peu pas. Enfin, moi, je suis vraiment, comme vous l'avez compris, l'informatique, c'est pas vraiment. Voilà, c'est pas mon domaine. Et, alors, on avait choisi de poursuivre avec le successeur d'Opsis. Et puis, pour des raisons financières, la ville d'Yverdon-les-Bains nous a aiguillés vers un logiciel libre et c'est à ce moment-là qu'on a retenu PMB. Voilà. Du côté de Neuchâtel. Donc, comme vous avez pu le voir dans le contexte de l'hôpital de Neuchâtelois, on a un public très particulier, c'est-à-dire un public dont les professions peuvent varier extrêmement de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'on doit répondre effectivement à des médecins, à des physiothérapeutes, à des ergothérapeutes, à des électriciens pour le service technique, à des ingénieurs pour les normes, etc. Donc on a vraiment un panel de métiers incroyables auxquels on a répondu. Le point commun entre tous ces gens, c'est que ces gens n'ont pas de temps à consacrer à la recherche documentaire, évidemment. Donc, ce que veut le public, c'est un service rapide, fiable et efficace. Donc, nous, comment on peut répondre à ce besoin-là? C'est en étant au maximum disponible pour eux. C'est-à-dire que vraiment, je ne vais pas dire qu'on est des hommes à tout faire, mais on doit vraiment être quand même à tout, même si ça pourrait être simple pour eux de le faire, mais des fois, ils n'ont pas le temps de le faire, donc ils doivent faire les choses à leur place. Donc, pour dégager du temps, il nous fallait une solution qui nous permette de gérer efficacement la documentation, de l'exploiter, c'est-à-dire de vraiment la rendre utilisable, et puis aussi de pouvoir faire des diffusions à large échelle au sein de l'hôpital. On avait un besoin de pouvoir personnaliser l'information selon les besoins des gens, c'est-à-dire de ne pas les inonder d'informations non nécessaires. C'est clair que si je vais vers le chirurgien-chef et puis que je lui envoie de la veille concernant le courant électrique fort au sein de l'hôpital, il va me tamponner la prise dans le dos la prochaine fois que je le croise. On avait aussi l'idée de pouvoir créer des bibliothèques virtuelles d'articles de référence. Donc, il faut savoir que tous les protocoles de soins, les protocoles opératoires dans les hôpitaux se basent sur des articles scientifiques de référence que l'hôpital doit conserver pour pouvoir montrer comment ils sont arrivés à ces protocoles. Donc, pour l'instant, ces articles étaient stockés dans des classeurs, dans des armoires, que personne ne savait plus exactement où ils étaient, mais bon, ils étaient là. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir rendre toute cette documentation exploitable. Un dernier point, c'est d'améliorer la documentation de l'activité du centre de documentation. Parce qu'actuellement, enfin, jusqu'à ce qu'on arrive à PLD, il n'utilisait que des Excel. Alors effectivement, on arrivait à faire des statistiques, on arrivait à avoir à peu près une vue d'ensemble, mais ça demandait pratiquement autant de temps que le reste du travail, quoi. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers PMB, parce que non seulement PMB répondait aux besoins qu'on a décrits ici,
Mais en plus, il y a toute une série de ces tâches qui peuvent être automatisées, ce qui nous permettait de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc nous avons fait un appel d'offres, quand même, on ne s'est pas tourné vers PMB directement, on a fait un appel d'offres, on a rédigé un cahier des charges, on a fait un appel d'offres, et puis on a retenu PMB parce que c'était celui qui répondait le mieux aux critères qu'on avait dessinés. Au niveau de la migration, le fichier Excel était très disparate, les données n'étaient pas du tout homogènes, donc on a pris la décision la moins pire, c'est-à-dire de tout recommencer à zéro, on va dire. Donc ça avait quand même quelques avantages, c'est-à-dire qu'on a profité de pouvoir faire un inventaire, de pouvoir faire un sérieux désherbage, et puis d'avoir l'assurance de partir avec quelque chose de propre, ce qui n'est pas la moins bonne des choses. Voilà. Les propres, malheureusement. Nous avons migré depuis pour la terre. Nous avons commencé par rédiger un cahier. Ce 2009, il y a par téléphone. Quel champ nous souhaitions garder, comment nous souhaitions de lecteur.
créés pour la journée. Alors, l'accès au... Là, pardon, je ne l'ai pas dit. Vous avez des menus, vous pouvez choisir soit le prêt, soit le retour directement. Là, imaginons, j'ai un lecteur qui passe à la bibliothèque, je vais le prêt. Je n'ai pas de douche avec moi, donc, le clavier. Nous pouvons aussi accéder au compte lecteur. Nous pouvons aussi accéder au compte lecteur par le nom. Alors là, malheureusement, on ne voit pas, mais ici, on a... Comment ça va seulement inscrit dans une des deux bibliothèques, par exemple, je vois si à la bibliothèque publique ou à la Bretagne. Ici, c'est la catégorie, le type d'abonnement, pardon, individuel multimédia. J'ai perdu mon micro. Sous circulation, je vais essayer de lancer les rappels, ça peut prendre un peu de temps. Donc là, en un clic, je ne garantis pas, on va essayer. Que vous voyez comment se présente la gestion des rappels. Ouais, je crois que ce sera un petit peu lent. C'est plus rapide normalement. C'est mon PC. Si jamais je descends, et là, vous voyez, vous avez aussi un espace pour les réservations. Les réservations à traiter. Quand le lecteur n'est pas venu les chercher, on peut faire les retours. Alors là, en fait, le logiciel trie les livres en retard, mais dans les deux bibliothèques. Il fait une recherche aussi bien à la fois à la Bruckine qu'à la bibliothèque publique. Voilà, on arrive au bout.
Si le lecteur a un mail d'enregistré, le rappel partira directement par mail, sinon c'est par courrier. Le troisième rappel part obligatoirement par courrier. 2%. Ben, je vous garantis qu'en septembre 2009, ça nous aurait fait plaisir, ça aurait été très 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 rapide. En fait, on s'est retrouvé en septembre 2009, sans avoir fait de rappel depuis le mois de mai, avec beaucoup beaucoup de livres en retard, et donc un PDF conséquent, énorme. Et c'est ce qui a posé problème justement. Comment gérer ce PDF? Je crois que les 2 derniers pourcents, c'est mieux. Si vous voulez, hop, je peux vous montrer pendant ce temps le module de catalogue, et on reviendra ensuite au rappel. J'ouvre une seconde session. Voilà. Là, nous sommes sous la session donc, catalogue. Je ne vais pas cataloguer un livre dans son intégralité. Tout simplement, à la bibliothèque, en fait, on n'utilise pas les acquisitions. Ce qu'on fait quand on fait une commande, c'est qu'on crée une mini-notice pour être sûr de ne pas commander un doublet. Et ensuite, au moment de la réception, on récupère cette mini-notice et on la complète. Donc là, j'ai pris celui-ci. Voilà. Je vous montre rapidement. Vous voyez quelques points. Donc, nous allons chercher notre mini-notice. Là, je pense que comme j'ai mis... Voilà. Le bon Antoine, voilà. Et je la modifie. Donc, j'ajoute les différents éléments. J'ai déjà le titre. Vous voyez, c'est vraiment très simple, le catalogage avec PMB. J'ai déjà le titre. Je vais mettre la responsabilité. Je n'écris pas directement dans cette barre jaune, mais j'ouvre cette petite fenêtre. J'ouvre celle d'à côté plutôt, hop, qui est là. Et j'entre l'auteur. Voilà, Marie qui est auteur. Ensuite, je vais chercher ma zone éditeur. Voilà, c'est Gallimard Jeunesse. Voilà, Paris. Voilà. Une année 2013. Les pages, bon, l'ISBN a été enregistré au moment de la création, je ne sais pas, on va dire qu'on a 36 pages, hop, voilà. Dans les notes, on met le résumé du livre, qui a été mis avant. Indexation, simplement un petit genre roman, voilà, je sers à peu de choses, mais je le mets. Voilà. Je ne rentre pas tous les champs, mais seulement pour que vous puissiez voir un peu le principe. Et ensuite, j'enregistre. Alors voici comment va se présenter ma notice. J'ajoute un exemplaire. Je ne me suis pas trompée dans le numéro. Ouais, voilà. Je mets une cote. Ça va être une beauté. Section jeunesse. Voilà, j'en mettrai pas plus. J'enregistre. Voilà, ensuite, donc la notice et l'exemplaire. On peut également, dans ce module catalogue, butiner les revues. Je ne le ferai pas parce que je n'ai pas apporté de revue et je ne voulais pas. Je peux vous montrer seulement. Voilà, comme ça se présente, mais je n'irai pas plus loin pour pas, par exemple, les prochains numéros à recevoir. Voilà. On clique sur « Reçu ». À ce moment-là, va s'ouvrir une nouvelle fenêtre et on notera les indications, enfin les références de cette revue. Voilà. Je retourne sur « Circulation » et là, oui, voilà, j'ai mes relances. Je les ai faites hier, donc voilà. Voilà. Alors, j'ai le nom du lecteur. Ici, le numéro, et ensuite le niveau de la relance. Si c'est un premier niveau, là c'est un premier niveau. Si c'est un deuxième niveau ou un troisième niveau, je peux les sélectionner. Je ne ferai pas là parce que sinon ça va gêner mes collègues qui vont le faire tout à l'heure. Et ensuite, une fois que j'ai sélectionné tous les niveaux, je valide les actions et
j'imprime, j'envoie, soit par mail. Quelques lecteurs n'ayant pas de mail, j'aurai quelques lettres en PDF qu'ensuite j'imprime, tout simplement. Voilà. Le dernier point dont je voulais vous parler, c'est les éditions. Les statistiques. Donc, comme je vous disais, on n'a pas eu nos statistiques tout de suite. Il y a des statistiques qui étaient déjà créées, qui sont sous aucun classement. Et ensuite, PMB nous a demandé quelles étaient nos attentes en matière de statistiques. Donc, nous avons dû faire une liste des statistiques que nous souhaitions. Les voici. C'est très simple à utiliser. Là, dernièrement, j'avais besoin d'une nouvelle statistique. On projette de faire des réaménagements à la bibliothèque. Je voulais savoir quelle section était le plus utilisée suivant les heures de la journée. Donc, j'ai demandé à PMB de faire une nouvelle statistique qui est nombre de prêts par jour, par heure, par section, par localisation. 24 heures après, j'avais ma statistique. Voilà. Je peux vous la montrer. Donc, bibliothèque publique. On va regarder. Peut-être pas hier, parce que mercredi, il y a du monde, ça va prendre trop de temps. Un jour un peu plus calme. Voilà. Et là, j'en ai... Là, je préfère avoir 30 résultats par page, donc j'ai une seule page. Et voilà, vous voyez la statistique, je l'obtiens très rapidement. Je peux ensuite exporter ceci vers Excel pour les calculs. Voilà, pour ce qui concerne l'édition, tout ce qui est ici, par exemple, le nombre de prêts en cours, de retard par lecteur, ça, nous ne l'utilisons pas. Voilà. J'utilise vraiment cette partie personnalisable. Voilà. Je crois que je vais passer la main pour la suite. Je ferme. Voilà.
si on ne s'y connaît pas et qu'on a un service informatique à disposition, on peut toujours demander, je pense que c'est plus facile. Ici, je vais te recommander pour expliquer ce que fait la procédure. Et ici, on a tout un système de gestion des droits, du quel utilisateur a le droit de voir cette procédure, de l'utiliser et de la modifier. Ensuite, donc c'est pas né, on a des notices dans ces paniers. Donc, une fois que ces notices sont dans un panier, on peut encore les mettre dans ce qu'on appelle une étagère virtuelle. Donc, ces étagères virtuelles en fait, s'affichent dans la page d'accueil de l'opac et ça permet de mettre en évidence certaines notices. Si par exemple on les mis dans l'œil de propre de l'orientation à notre architecture, on met en évidence en premier les bases de données. Donc, on a une étagère qui s'appelle base de données où là, DSI, elle fonctionne de cette façon-là. On définit d'abord une équation qui définit certains critères de sélection de notices. Donc là, l'équation va chercher les notices qui répondent à son critère. Je vais vous montrer plus tard un exemple si on veut prendre tous les articles qui traitent d'algothérapie, par exemple. Et une fois que cette équation a recueilli les notices qui répondent à ce critère, elle les met dans une manette. Une banette, c'est en fait une sorte de panier qui stocke momentanément une notice, momentanément stocker une notice. Et ensuite, cette banette peut envoyer les notices sous forme de mail aux utilisateurs. C'est ce qu'on utilise pour envoyer les sommaires. Et sinon, il y a aussi la possibilité d'envoyer les notices dans des panneaux, donc de créer des paniers dynamiques. Par exemple, créer des paniers qui mettent en avant les 20 dernières notices créées, si on veut créer un panier d'actualité. Alors, l'onglet DSI se présente de cette façon-là. Ici, on a la liste des bannettes. Donc, on voit dans la première colonne le nom de la bannette. Donc, on a mis des noms assez explicites, on a mis les titres des périodiques. Et à côté, on voit l'équation qui lui est associée. Et encore à côté, on voit le nombre de notices qui sont actuellement dans la manette. Là, il y a une fusion récente, c'est de ça qu'elle est utilisée. Et à côté, on voit le nombre d'abonnés. Et la dernière, et la date de la dernière fusion. Ici, c'est la page de la modification des manettes. Donc, on peut modifier le nom, donc les paramètres basiques. Et on peut aussi définir le contenu du mail qui sera envoyé aux abonnés. Il y a encore aussi d'autres paramètres qui permettent de choisir si on veut que la manette envoie des mails ou qu'elle envoie les notices dans un panier ou qu'elle fasse les deux, c'est tout à fait possible. Voici une équation. Donc, là, justement, c'est l'exemple d'article
parlons d'eau pâte, je vais vous présenter directement le pack du Verdon. Voilà, alors je vous disais qu'on avait pu justement adapter l'opaque à la charte graphique de la ville. À la ville, ils vont toujours avoir le logo, un cadre, et donc on a travaillé un petit peu sur le côté Verdon-les-Bains, ville au bord de l'eau, ville au bord du lac, centre thermal, et on a mis, PMB a réussi à nous intégrer des vagues. C'est un peu plus la mer que le lac de Neuchâtel, c'est vrai, mais bon. Et avec un peu d'imagination, vous reconnaîtrez ici deux voiliers qui sont nos logos. Voilà. Alors, cette fois, je vais me mettre dans la peau du lecteur. Ici, vous avez donc le cadre pour la recherche, une recherche très simple, type Google. Voilà, je tape par exemple, soit je peux sélectionner soit tous les champs, ou alors seulement une recherche par auteur, une recherche par titre, etc. Le lecteur, généralement, reste sur tous les champs. Je veux, par exemple, un livre d'Anna Gabalda. Il faut que je mette dans le bon sens. Parce que... Alors, s'il y a une petite erreur d'orthographe, PMB ne va pas trouver, en fait. Il ne va pas nous proposer des termes. Ah, il trouve maintenant ? Nouvelle version. Ah, nouvelle version. Super. Ça aurait été une bonne nouvelle parce que on oublie parfois des S ou on rajoute des S qui nous, et ça nous pose problème. Alors, nos lecteurs et mes collègues seront ravis d'apprendre ça. C'est dans la nouvelle version stable actuelle. En fait, elle n'a pas encore été migrée, et je pense que Michael va vous faire ça rapidement et vous allez arriver. Alors j'attends un mail de Michael. Voilà. Voilà. Merci. Voilà, le service assistance est très sympathique, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc Anna Gavalda, je clique sur rechercher, comme voilà, vraiment la démarche du lecteur. Hop, ça prend un petit peu de temps. Voilà, ensuite, là, vous voyez auteur, un résultat. J'affiche cet auteur, oui, Anna Gavalda. Et là vont apparaître les livres d'Anna Gavalda. L'échappée belle, c'est le livre audio, vous voyez, l'icône est différente. Nous avons le film Ensemble, c'est tout. En un coup d'œil, on voit les différents supports. Ben voilà, par exemple, je vais regarder, est-ce que le film Ensemble, c'est tout est disponible? J'ouvre le plus, hop, j'ai ma notice. Je vais ensuite voir sous l'exemplaire. Je vois qu'il est disponibilité, sorti jusqu'au 12 octobre. Il est emprunté. Donc là, je peux réserver le document. Je vais essayer de le faire. Oui, je veux le réserver. Et on va me demander un identifiant. Je vais me connecter, je crois, sous le nom du lecteur que nous avons vu tout à l'heure. Si mes souvenirs sont bons, c'est... Et le mot de passe, généralement, correspond à l'année de naissance. Voilà. Ajout, réservation. Oui, c'est bon. La réservation, normalement, est ajoutée. Voilà. Donc, vous voyez, le système de recherche est vraiment très simple. Je retourne à l'accueil. Voilà. Je suis maintenant Jérôme Dubois. Je voudrais voir mon compte. Je peux voir les livres que j'ai en prêt actuellement. Je vais voir si j'ai les prêts. Voilà. Normalement, il me reste un livre si je n'ai pas fait tous les retours tout à l'heure. Voilà, j'ai un livre. Ce livre, si je veux, je peux le prolonger. Est-ce que j'ai déjà lu, par exemple, Notre droit de savoir? Oui, je l'ai lu. Donc, j'ai un onglet afficher les prêts précédents. Si jamais le lecteur peut changer son mot de passe, là c'est vraiment un lecteur que j'ai créé pour l'occasion, donc le lecteur change son mot de passe, et nous, bibliothécaires, nous n'avons plus accès à ce moment-là à l'historique. Il n'y a plus de lui qui a l'historique. Voilà. Je peux faire des réservations, si jamais, vous voyez, j'ai une réservation Ensemble, c'est tout. Dès que le DVD rentre, je suis en premier rang, donc je serai avisé par mail si j'ai mis un mail. Et je peux faire également des propositions d'achat, des suggestions.
que nous recevons ensuite sur, sur PMB dans le module acquisition que nous pouvons traiter. Voilà. Alors, les alertes, justement, c'était ce que disait M. Leret. Si, par exemple, ce qu'on propose, c'est de recevoir les listes de nouveautés, nous, à la bibliothèque, c'est beaucoup plus simple que... à l'hôpital, si je veux par exemple recevoir tous les nouveaux DVD, la liste des DVD tous les mois, je le signale à la bibliothèque, on l'inscrit, et puis je peux recevoir cette liste soit par mail ou alors dans mes alertes. Voilà, et là vous avez ces listes-là. Vous parlez des étagères virtuelles, si vous voulez, je peux vous montrer comment elles se présentent chez nous. Nous avons en ce moment, ça bouge, hein, ces étagères virtuelles. En ce moment, nous avons une étagère virtuelle rattachée à la Broquille, donc à Bibliothèque pour les jeunes, avec les acquisitions de septembre. Nous avons une étagère que nous laissons généralement toujours, ce sont les nouveautés DVD. Vous voyez, si je clique sur voir la suite, ça prend un peu de temps, mais voilà. J'ai 4 pages, je passe d'une page à l'autre. Et on a également les nouvelles acquisitions documentaires. Donc là, ça dépend. Pour la rentrée littéraire, on peut mettre en avant les romans, etc. Si on a une animation, on peut choisir de mettre en avant des livres en lien avec le thème de l'animation. Cette partie-là, nous l'utilisons beaucoup. Elle est très, c'est quelque chose de très sympa, je dirais. Aussi bien pour l'usager que pour le bibliothécaire. Voilà. Alors voilà notre parc. Je crois que j'ai fait le tour. À moins que vous ayez des questions pendant que je suis là, vous voyez, on peut intégrer des liens. J'ai un lien vers le site de la ville du Verdon-les-Bains, un lien vers le réseau roman. Je peux vous dire la météo de Neuchâtel. On n'avait pas la météo du Verdon, heureusement. Voilà. Et là, vous avez les adresses des bibliothèques avec un contact qui renvoie donc là à notre adresse mail générale. Et on peut aussi ensuite accéder au site même de la bibliothèque ou de la Broquille. Voilà. Je pense que je vais vous repasser la parole. Pour que les lecteurs
lesquels ont été exécutés, lesquels n'ont pas très bien fonctionné. Le système d'État se présente comme ça, vous avez différentes tâches, pardon, c'est ce que par exemple. Là, c'est le paramétrage d'une tâche, donc là, c'est l'envoi de la VSI, donc c'est les différents paramètres. Peut-être plus pour la boutique, avec des bénévoles.
mais non. Et puis, je crois que les usagers apprécient notre logiciel. Par exemple, j'ai regardé cette semaine, nous avons envoyé 50 mails de nouveautés sur ce mois. Donc, soit des listes de nouveautés pour les nouveautés, etc. Et on a eu 150 personnes qui ont souhaité recevoir cette liste. Et je pense que c'est vraiment que ce logiciel. Dans le choix d'un logiciel, nous ne le regrettons nullement. Et c'est un logiciel qui convient parfaitement pour une lecture, une bibliothèque de lecture publique de taille moyenne. Voilà. La bibliothèque. Sur 7 sites géographiques différents, hein, donc on est vraiment répartis à travers tout le canton de Neuchâtel. Et pour nous, c'était vraiment un vrai plus, déjà, de n'avoir aucune installation en tête sur les offres informatiques. Hein, comme on accède à PMB à travers le navigateur Internet, il suffit d'avoir un navigateur Internet et un accès Internet. Donc, comme nous, comme on est susceptible de, une fois travailler dans un bureau, une fois dans un autre, etc., c'est un vrai avantage. Le grand avantage aussi, c'est le haut niveau de personnalisation possible. Donc, comme je vous disais, on a une utilisation très particulière, mais on utilise pourtant le même logiciel qui est utilisé dans une bibliothèque de lecture publique.
Alors, le désavantage pour la bibliothèque Giverdon est un avantage pour nous au niveau de la grille de catalogage. C'est-à-dire, comme on emploie souvent des civils qui ne sont pas des documentaires professionnels, pour eux, c'est plus simple de dire que le titre, que le temps titre, ça s'appelle titre, et c'est pas de l'accent. La grille de catalogage, elle est aussi adaptable, c'est-à-dire que selon le format du document, si vous cataloguez un CD ou un livre ou un DVD, vous devez adapter la grille en conséquence pour ne pas avoir des listes de champs inutiles. PMD évolue sans cesse, il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent toutes les années. Donc, du moment où nous, on a commencé de regarder pour s'intéresser à différents logiciels libres, il y a des fonctionnalités qui ont été ajoutées entre-temps dans PMD qui nous intéressaient. Donc, c'est vrai que ça, c'est aussi un vrai avantage. Ce n'est pas un logiciel qui attend que 300 bibliothèques fassent une demande pour rajouter une fonctionnalité. Ça va quand même beaucoup plus que ça. Hein. Il y a une société de services à disposition. Donc, ça, c'est aussi un grand... très calme l'informatique pour vous. Du coup, on demande une nouvelle statistique. Si vous êtes un peu plus sévère, est-ce que vous demandez à la société de service que vous avez en affaire? C'est une société, c'est une solution qui est fiable même pour les grandes structures ou les grands fonds. Parce que nous, quand on s'y est intéressé fortement, on est allé voir ce que Philippe Maurice à Neuchâtel qui a utilisé comme des dans nos amis. Donc, PMD, Philippe Maurice, ils ont intégré 1 million de notices de notices de PMD. 1 million de notices. Hein. Donc, la solidarité, c'est quand même assez réduit. Il y a une utilisation croissante du logiciel en Suisse romande, ce qui fait qu'on commence d'être un peu un noyau d'utilisateurs pour pouvoir partager au niveau de l'expérience, au niveau local. On n'est pas obligé d'aller à Paris chaque fois qu'on discute de PMD, c'est quand même plus simple aussi. Hein, donc c'est utilisé à Morges, c'est utilisé à Yverdon, maintenant c'est utilisé dans le canton de Neuchâtel, parce qu'il y a aussi d'autres centres de documentation à Genève qui l'utilisent. En conclusion, je dirais que c'est une solution à la fois adapté pour une lecture publique ou un centre de documentation spécialisé. Vous avez le choix de faire le paramétrage vous-même ou de le confier à une société de service. Donc, c'est-à-dire que nous, on aurait très bien pu l'installer sans rien demander à PMD Service, hein, et télécharger le logiciel sur Internet. On l'installe chez nous, on fait tout le réglage. Et c'est vrai qu'après, on bénéficie pas de l'information ou de ce genre d'éléments. Mais il y a une grande personnalisation possible. Et puis, à mon avis, c'est une solution fiable, en tout cas répondu à l'entrée de nos besoins. Si vous avez des questions, non.
contractuelle aussi fait qu'on doit limiter l'accès aux articles qui sont catalogués. Mais... Mmh. Est-ce que je vous assure, est-ce que cette carte suivie comment vous faites?
le même accès. Mais on peut lister, il y a des sessions, si vous voulez. Chaque collaborateur a accès à des modules différents, par exemple. Et pour les bénévoles, ils ont seulement accès à des modules.
Tout à fait, non, mais c'est pas. Dans ce domaine-là, oui.